Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre rubrique La Hauve des titres de ce vendredi 9 février 2024 sur votre chaîne préférée Spillano Télévision. C'est le quotidien Le Challenge qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Conférence de presse du chef de l'État sur l'actualité nationale et sous-régionale. Talon persiste et signe contre la révision de la Constitution. Il s'en lave les mains et laisse le choix aux députés. Il se dit prêt à promulguer toute retouche de code électoral pour l'intérêt national. La CEDEAO doit être réformée. L'AES est une atteinte à l'intégration des peuples, écrit le quotidien à la page 2 de sa parution du jour. Toujours avec le même quotidien, nomination de ministres conseillers, le but est d'appuyer ceux qui ont la tête dans le guidon, écrit le quotidien à la page 5 de sa parution. Et pour finir avec ce quotidien, information, suspension du groupe de presse La Gazette du Golfe. Talon renvoie la balle à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Vous aurez les détails à la page 5 de cette parution de Le Challenge. Passons à présent au quotidien Les 4 vérités pour lire à la une. Le président Patrice Talon face à la presse. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution. Je l'ai dit aux députés de la mouvance. Je ne demande aucune révision. Restons toujours avec les 4 vérités pour lire. De nouveaux collaborateurs du chef de l'État, postes et secteurs d'intervention des ministres conseillers. Les détails sont à lire à la page 6 de cette parution du quotidien Les 4 vérités. Et pour finir avec les 4 vérités, Bene Media, licenciement collectif à la Gazette du Golfe. Le PDG donne les raisons de sa démission. Vous aurez plus de précisions dans les colonnes de cette parution du quotidien Les 4 vérités de ce vendredi 9 février 2024. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de votre rubrique La Hauve des titres de ce vendredi 9 février 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.